Hello hello les amis, c'est Fritz. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Aujourd'hui nous allons découvrir un tout nouveau mode. Enfin tout nouveau mode, c'est pas vraiment nouveau, mais nous allons faire une vidéo du coup sur un mode. Nous avions fait la dernière fois le mode Osana. Là la suite logique c'est qu'on fasse le mode de Amai. Bien évidemment Amai Odayaka, qui est la deuxième rivale de Yandere Simulator. D'ailleurs Yandere Dev est en train de bosser actuellement sur Amai. On ne verra pas à mon avis avant quelques années. Bref, ce mode nous vient de Monster Red. Lien dans la description comme toujours. Avant aussi toute chose les amis, j'ai sorti un nouveau TikTok sur mon compte TikTok aujourd'hui et honnêtement je suis sûr à 100% que vous allez grave vous reconnaître dans ce TikTok. Du coup n'hésitez pas à aller le voir et aller me suivre sur TikTok parce qu'on est presque 4000 et ça fait plaisir. Bref, sinon mis à part ça, je vous balance l'introduction. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes également à la chaîne principale Frites et on est parti. Comme d'hab, je vous montre l'écran d'accueil. Il y a une super musique qui ambiance de ouf. Amai Odayaka. Nous avons Ayano en version Amai. On voit aussi déjà un petit aperçu de l'école. Et ça a l'air grave stylé. Donc c'est parti. Déjà, le mode Amai a été vachement plus travaillé que le tout premier mode d'Osana. Donc ça va être vraiment sympa, je pense. Donc là, nous sommes dans la chambre de Amai. Ce qui est cool, c'est qu'on a déjà, même ici, plus ou moins la tenue de Amai. Justement, on voit qu'on a le petit tablier de cuisine et tout. On a les petites pommettes comme ça sur le visage, qui rend Ayano vraiment super mignonne. Et nous avons surtout une chambre remplie de choses qui donnent envie. On a des macarons ici. Nous avons un lit avec des cupcakes dessus. Aux couleurs de Amai, donc du vert, du blanc, tous les trucs de cuisine. C'est vraiment stylax. On va quand même aller voir dans le basement vite fait. Dans le basement, il n'y a rien. Ok. Donc let's go, on va aller à l'école. On est même ici, il y a du changement. C'est pas écrit loading, mais c'est écrit cooking. Et on avait un petit personnage qui a présenté Amai. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait commencé à travailler les introductions en mode, tu sais, arrive comme ça dans le lieu de la rivale. Et elle a des animations ultra stylées. Regardez, vous avez vu? Elle est vraiment bien faite, hein. Vous la trouvez comment, cette Amai? Elle est grave réussie. Donc ouais, on commence directement dans le lieu où se trouve le plus souvent Amai, vu que vous savez bien qu'elle est très connue pour faire de la bonne cuisine. Donc forcément, elle est dans une cuisine et on a déjà ici des nouvelles armes qui ont été ajoutées au jeu. Notamment, on a ici un rouleau de pâtisserie, on a également une poêle. Enfin bref, c'est super cool et la musique est très jolie aussi. Franchement, je vais la laisser d'ailleurs, je pense, pour cette vidéo parce que ça va être une vidéo très chill. Ah ouais, putain, on a même carrément Garbage Bay, qu'on a les poubelles qui ont été changées en... Putain, comment ça s'appelle? En marmite, voilà. Franchement, j'aime bien. Ici, les petites portes, on a des petits stickers tout mignons et regardez l'école. Waouh, putain, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand, vous trouvez pas? Le fait que ce soit différent comme ça, j'ai l'impression que les couloirs sont vachement plus longs. Ok, bah écoutez, on va regarder un petit peu partout. On va faire notre petite visite comme on le fait toujours. Ok, le club occulte n'a pas été modifié. On va faire notre petite visite, voilà. Comme on le fait toujours pour vraiment essayer de voir un maximum de choses dans ce mode. Ah mais la musique c'est Undertale en fait. J'avais pas tout de suite capté. Mais la musique c'est Undertale. Regardez-moi cette fontaine. Oh putain, trop bien. Regardez dans les arbres ce qu'il y a. Oh là là, si on n'a pas faim après cette vidéo, franchement, je ne comprends pas. Il y a des bonbons et de la bouffe de partout. Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça à l'époque. Hein. Elle se rassemblait. Oh, il a mis carrément un truc de bouffe sur la tête de tout le monde. Regardez ici, elle a une sorte de tarte aux fraises. Ici, elle a un morceau de viande, des pancakes, une sorte de glace ou de milkshake. Ici un cupcake on va dire, ou un flan plutôt, ou ouais, une sorte de flan. Ici de la pizza, enfin c'est incroyable. Tu vois déjà là, rien qu'à ces petits détails là, tu vois qu'il y a encore eu l'amélioration par rapport au mode d'Osana, hein, qui était vraiment le premier mode rival qui était sorti. Donc forcément après c'est devenu de mieux en mieux. Et ouais franchement c'est très 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 lourd, hein. Monster de toute façon a été très connu pour ses excellents modes. Je pense que d'ailleurs il y en a encore beaucoup d'entre vous parmi les anciens qui se souviennent de lui. Ah ouais, regardez-moi ça. Même sur les sols, il y a des... On va dire que c'est une sorte de... Ouais, de petit cupcake, tu vois, je sais pas trop ce que c'est, avec de la crème chantilly et tout. C'est plutôt stylé, c'est vraiment tout en vert, hein, tout en vert, vert, beige, comme ça. Vraiment pas mal, mais on va d'abord, du coup, visiter un petit peu l'extérieur, enfin, visiter, explorer plutôt l'extérieur de l'école. Alors, on va aller dans le club de jardinage. Et il a changé aussi, à l'époque, c'était juste des bottes, mais il les a changés quand même, hein. Vachement plus réussi comme ça, hein. Vous trouvez pas? Il n'a pas subi de modif, je pense, en vrai de vrai. On a le groupe des délinquants. Regardez ici, on a un petit spoiler. Le toit sera exactement comme ça. Le cerisier qui n'est plus un cerisier de confession, hein, mais qui est plutôt un cerisier de bonbons. Tout aussi bien en vrai, vous trouvez pas? Ah, c'est vrai que je peux aller plus vite, ça va m'aider. On a la salle de sport, mais elle n'a pas subi de modification. Nous allons aller voir dans les douches, les bonnes vieilles douches de l'époque. Ah voilà, c'est pour ça que je voulais venir ici. J'étais presque sûr qu'il allait y avoir également des images là. On a du coup l'image de rival de Amai.
Et on a à droite ici un petit plan où on voit Amai qui fait un petit coucou dans la cuisine. Elle est en train de préparer un bon petit plat pour Senpai, j'en suis sûr. Ok, bon, on a fait l'extérieur de l'école, les amis. Je vais rechecker un petit peu. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours Ayano qui est là, forcément. Je vais rechecker un petit peu à l'intérieur. Il y a certainement encore d'autres pièces plutôt cool. Ah, bah, notamment ici, regardez. On a apparemment non plus un distributeur de boissons, mais un distributeur de bouffe. Ce bois Yuaka, pas mal le jeu de mots. Du coup, si t'achètes ici, tu peux avoir une baguette Sambut. Enfin, des baguettes. Pour avoir des sandwichs, quoi. Incroyable. Je vous montre un petit peu en vitesse comme ça les pièces. What the fuck, le sandwich il a roulé jusqu'ici, ça me bute. Allez, on va passer au deuxième étage, on va checker un petit peu. On va voir dans le bureau du directeur, tiens. Est-ce que le bureau du directeur, non, pas de modification en vue. Ok, en vrai de vrai, je pense que au niveau des décorations, etc., qui ont potentiellement changé, on a fait le toit en vrai. Donc on va aller voir sur le toit et après on testera bien évidemment quelques petites armes, histoire de tester hein, quand même, parce que c'est un peu le but aussi d'avoir des armes qui ont été modifiées. C'est quand même sympa de les tester, je trouve. On a ma petite Midori ici, qui, comme à son habitude, est sur le toit, mais elle n'avait encore à cette époque-là aucune image sur son téléphone. Mais je suis sûr que là, elle est en train de s'abonner à la chaîne Frite et la chaîne Frite 2.0, j'en suis sûr. Ou alors, elle est en train de regarder mes TikTok, j'en sais rien. Les amis, je suis retourné ici dans la cuisine pour tester un petit peu quelques petits bails. Notamment, on va utiliser ce rouleau de pâtisserie. Et hop, j'avais pas vu, mais les indicateurs de danger pour les élèves. Et bah, oh, c'est du chocolat, mais c'est trop bien. Voilà comment avoir une censure parfaitement réalisée. Et en plus, dans le thème de ce mode, c'est juste fou. Ouais, c'est des traces de chocolat. J'ai du coup plein de chocolat sur moi. C'est vraiment énorme, putain. Ça, c'est super bien réussi. C'est le genre de détail que moi, je kiffe de ouf. Donc, mais ouais, quand les élèves me voient, du coup, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des spatules. Tu sais, un petit peu comme Bob l'éponge là, quand il fait ses pâtés de crabe. Il y a des spatules en fait, comme indicateur. C'est trop cool. On va prendre une petite poêle maintenant là. Une bonne grosse poêle des familles, histoire qu'on se poêle de rire. Genre, pas comme face à cette blague, par exemple. Merde, ils sont tous rentrés en classe, les salauds. Le petit boulot, là, hop, là, ça dégage, boulot. Eh ouais, je t'élimine avec une poêle, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Une prise de karaté? Mais non, t'es mort, tu ne pourras plus rien faire. Allez, boum. Ah, ce coup de poêle est incroyable. Vous avez vu, il y a des spatules de partout. Ce que je veux faire aussi, c'est en fait, je veux aller tout simplement voir si j'ai genre des tenues adaptées à Amai. Genre, s'il y a eu un maillot de bain aux couleurs d'Amai ou pas. Non, maillot de bain, ça change rien. Alors peut-être le gym uniforme, peut-être que lui, ça va changer quelque chose. Oh, stylé, regardez-moi ça, le gym uniforme. Elle est super, la tenue. Bon, là, on est très très loin d'une tenue de sport, hein. Tu vas clairement pas aller taper ton meilleur footing avec une tenue comme ça. Mais en vrai, ça lui va trop 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 bien. Du coup, c'est super cool et j'ai vraiment bien fait de regarder s'il n'y avait pas d'autres vêtements qui avaient été conçus pour ce mode Amai. Mais moi, je kiffe de ouf. Et il y a autre chose aussi que j'aimerais bien voir, c'est que des fois, tu vois, on a des petites surprises comme ça. Si je vais dans Edit Scene, Cut Scene, Amai Bonus, tu vois, genre on a Amai Bonus. Oh là, je sais pas. Je sais pas ce que ça fait le Amai Bonus. Ouais, je sais pas trop ce que ça fait. Oh, j'avais pas remarqué, mais regardez le logo de l'école. Et puis la Seiko Corp, c'est un cupcake. La Cupcake Corp. Et également ici, sur l'horloge, on a une petite Amai. Quoi, je vais reset le mode et. Ah bah là, j'ai reset Amai. Okay. Oh, regardez, quand elle rigole. Elle dit Senpai. Mais c'est énorme. Bon, par contre, je suis en train de faire peur à tout le monde. Et si je rigole comme ça à mort, il se passe quoi? Ah, elle peut pas. Ok, elle peut pas. Donc le Amai bonus, ah, c'est peut-être, ok, le truc de sa tête qui a changé, je sais pas trop. Bah écoutez les amis, c'est déjà la fin de ce mode qui était super cool. Franchement, j'ai adoré, il y a des élèves à pleurer là-bas, tout va bien. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres modes à découvrir, hein. C'est la suite logique des rivales. Donc là, on en était à Amai et la prochaine, je crois que c'est Kizana, peut-être, je ne me rappelle plus. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez bien que vous pouvez toujours me mettre votre petit like et votre commentaire qui fait toujours plaisir. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo défi, donc n'hésitez pas à mettre votre hashtag défi, hashtag expérience, hashtag bug dans les commentaires pour que je puisse continuer de puiser dans vos coms et qu'on puisse faire encore plein d'épisodes tous aussi géniaux les uns que les autres. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne Frites, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux ainsi que Twitch pour les lives et TikTok pour mes TikTok, tout ça c'est dans la description. Je voulais prendre soin de vous, portez-vous bien, salut tout le monde.